Salut YouTube! Eh oui, de retour. Oh, j'ai plus de piles, je vous jure, on va plus avoir de batterie dans les Easy Mode pendant le jeu. Pendant un boss. C'est sûr, c'est pendant un boss. Il y aura plus de batterie. Et donc on est de retour sur Metroid Prime 2 et on est arrivé dans la forteresse des Luminotes. Et ensuite, je ne sais pas quoi faire. Voilà! Voilà, merci, ça m'a fait plaisir. Des bisous. Là, il y avait des gardiens tout nuls. Oh, je sais plus. Je sais plus comment on joue. Ça fait un petit moment en plus, hein. Ouais, c'est ça, donc là. Je connais pas le langage. Là, il y a des machins chelous. Comment on fait pas comme d'habitude? On éclate pas tout, pour une fois. Croyez qu'il m'a vu? Est-ce que vous croyez qu'il m'a vu? Non, bah non, ils sont un peu vénères, mais c'est tout. Hein. Ah merde! Non, bah je crois. Non, je crois qu'il m'a vu. Non, mais fallait faire un truc spécial avec eux, je sais plus quoi. Oh! Bah je me casse. Je crois que c'est par là, hein. Non! Non, il me tire dessus! Salaud. Ah là, il y a un truc. Marche pas. Non! Oh les salauds, ils me tabassent quoi. Mais non, mais ça c'est une porte, je peux pas ouvrir ça. C'est fluide. Qu'est-ce qu'il fait? Hein, quoi? Y'a tout le monde qui me tabasse. Qu'est-ce que c'est? C'était pas fluide à un moment, là c'est bon. C'est normal en fait, c'est ce que font les gardiens là. Les gardiens en fait quand ils me tirent dessus, ça fait bugger l'armure de Samus en fait. Donc c'est prévu, en fait l'absence de fluidité en fait c'est prévu dans le jeu. J'ai eu exactement la même chose. Code de verrouillage de système et le suivant. Ambre, bleu, rouge, émeraude. Oh là. Ambre, bleu, rouge, émeraude. C'est quoi ambre? C'est quoi ambre? Ah mais vous déconnez! C'est des couleurs qui existent, c'est des couleurs qui existent pas! Attendez. J'avais ambre, ah, ça doit être celui-là, ambre. Bleu. Ah c'est ça. Alors, ambre. Non, c'est pas ça. Bleu. Rouge. Émeraude. Vous savez, par contre, les émeraudes, je savais que c'était vert. Hein. T'as vu? Concon. Concon, mais quand même pas... Pas totalement quoi.
J'ai pas scanné le truc, tiens. Anneau gyroscopique fait partie d'un système de production d'énergie. Le même système. Attends, le même processus est activé depuis environ 30 cycles. L'unité fonctionne apparemment en mode automatique. Il est possible de passer en mode manuel pour contourner la fonction. Allez, méduse, j'ai pas scanné les méduses. Cible est une unité de maintenance classique, programmée pour exécuter des tâches ordinaires. L'unité fonctionne bien malgré plusieurs décacycles de service. Eh, dis donc. Ouais. Ça va faire des trucs, hein. Qu'est-ce qui se... La chambre du mini-giro. Ah, c'est les drones de combat inactifs. Pourquoi j'ai l'impression qu'à un moment ils vont se réactiver? Ah, par contre là-bas, il m'a pas l'air inactif lui, hein. Drone de combat rebelle, conçu pour les combats rapprochés. Système de ventilation inférieur peut être endommagé par des attaques explosives. La boule turbo peut perturber le fonctionnement du vortex. Mais j'en ai déjà vu un hein, comme ça, non? Non? Je sais plus. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a pas vu. Ah, je crois qu'il m'a vu. Quoi? Mais ah! Mais c'est complètement con! Mais c'est lui qui m'avait défoncé, je crois, la première fois là, non? Faut que j'aille où? Faut que je me casse. Là, non, je peux pas y aller. Aïe! Ils font mal, c'est con là. Oh, regardez, je peux me barrer par là. Ils vont pas pouvoir rentrer là. Je peux me moquer? Oh, regardez, je peux me moquer, ils rentrent pas. Oh, trop bien. Console utilisée pour ouvrir le portail de téléportation vers l'éther sombre, actuellement opérationnel. Génération du portail amorcé. Hop, ce portail est opérationnel. Attendez, est-ce qu'il y a l'autre qui va me tirer dedans là? Ouais, voilà. Vous croyez que je l'ai pas vu là? Il y avait une autre porte. J'y ai pas accès à l'autre porte. Hein? Oh, l'autre il est toujours en train de m'attendre quoi. Ah, et la porte s'est fermée. Super. Orange, pourquoi ils disent pas orange? Pourquoi ils disent pas orange dans ce cas-là? Ah! Si Orange c'est orange, qu'est-ce qu'il dit orange? Bon. Ah mais non, j'ai pas envie de repartir tout de suite là. J'ai envie d'aller faire un petit tour avant. Oh, on tombe là. Qu'est-ce donc? Faut que j'y cachette de verre banquière. Unité de stockage vivante de la horde banquier. Les vers banquiers enroulent leur corps autour d'objets utiles pour les protéger. Ils sont sans défense. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah bah déjà des Metroids. Super.
Hop. Un Metroid en moins. Qu'est-ce donc? Drone de classe Diligence Sombre. Unité de maintenance possédée. L'unité gagne en puissance grâce au symbiote banquier. Seule une explosion d'énergie lumineuse intense peut lui causer des dommages. Genre je change ça. Rayon de lumière. Et pan. Mais j'ai pas en fait. Ah si. Ah non mais il y en a encore. Oh mais il y en a plein. C'est quoi ça? Une réserve de missiles. Oh mais j'en ai tellement. Ça y est, je suis arrivé à 100 missiles. Oh, je suis ravi. Hein. Ok, donc là j'avais ça. L'abattoir. Sympa. Sympa comme petit nom. Par contre, j'ai rien pour me soigner là. Donc il y a ça. Qu'est-ce donc? La clé du temple. Oh non! Lui fait partie du monde sombre, donc on va l'éclater, voilà, à coup de... Ah mais ouais, mais ça fait tellement mal. Ok, ça en est bon. Et après, je peux aller où, moi? Ah oui, forcément. Forcément, je peux pas y aller. La porte sombre. Ah, c'est pour descendre d'un étage. Oh là là, mais... Je vais arriver où? Ah, c'est pour monter. Ascenseur S de la ruche centrale. Est-ce que j'aurais pas... Ouais bon, allez, on va aller là, direct. Ah merde, il y avait un truc là que je pouvais péter. Dommage. Est-ce que ça va pas être que ça en fait pour grimper? Est-ce qu'il va pas falloir que je... J'alterne entre sombre et clair pour arriver tout en haut. J'ai bien l'impression que c'est ça, le deal. On a quoi? Chelou. Alors... C'est bon, ça me sonne en même temps, c'est bien. Assez chiant. Ok, mais ils sont tous morts. C'est parfait. Encore un petit génocide de Samus. Bah
Barrière de protection indestructible. L'analyse indique la présence d'un système de commande. Le système de commande ne trouve pas dans le spectre visible dans l'espace-temps actuel. Ok. Ah mais c'est vrai que j'ai le nouveau pouvoir là. Regardez ça. J'en vois d'autres. J'ai le viseur machin maintenant. Vous rappelez-vous le viseur machin? Ah mais là pourquoi il y a des Ok, donc faut que je les déglingue. Voilà. Ah, suis un malin. J'ai trouvé. Mais du coup, ça c'est quoi? Ça c'est un portail. Ok. Donc j'ai un portail de téléportage ici. Ça devient compliqué. Oh, il est trop compliqué le jeu. Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer à un jeu si compliqué que ça? Non. Attendez, hop. Aïe! Bon? Il est mort? J'ai même pas tiré dessus. C'est un système de sécurité sonore, mécanisme de détection sonique, nécessaire pour activer le système. Ah, je l'ai pas encore ça, hein. Le machin sonique, je l'ai pas encore. Par contre, est-ce que... Hop, je vais pas repasser dans l'autre monde. Grâce à ce gentil petit portail. Caché en plus. Donc on arrive là. Un endroit où je ne pouvais pas aller avant. Ah. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi il est éteint? Ah. C'est quoi ce machin là? Oh non mais non. Oh non mais non mais non, non je me casse. Bah je me casse. Salut. Mais passe. Pitié, passe. Pourquoi eux? Drone de classe, diligence, unité de maintenance rebelle, mécanoïde incapable d'un... Attaque à base d'énergie sombre. Ah bah voilà, bah fallait le demander. S'il dit pas le jeu non plus... Ah bah ce... ok, ça suffit. Ah, je peux descendre. On se rappelle, eux. On les avait. Dans le 1. Le Méclops, un triclops mécanoïde rebelle. Les minettes ont conçu ces cueilleurs mécanoïdes aux mâchoires puissantes. Ils chassent les intrus de force. Oh, très gentil. Un réseau de monorails magnétiques. Bon. Et ben on va descendre. On va essayer de pas se faire pécho, là. Merde, merde, merde. Ah, il m'a vu. Il me jette.
purement malpropre. Bah voilà, je suis passé. Finalement. Donc ça, paf. Voilà. Je reprenne le sombre. Alors, j'arrive où? Cette cible fait partie de la dynamo principale. L'unité est instable. Système de protection désactivé. L'unité doit être déconnectée manuellement. Le cœur de la dynamo principale est instable. Les armes conventionnelles ne peuvent détruire un impact cinétique énorme. On peut l'endommager. Gna, instable. Système de protection. Ok. En gros, c'est pété. En gros, c'est pété. C'est ça qu'ils veulent dire, c'est que c'est pété. Personnel, utilise petit pour ouvrir la porte, accéder au secteur adjacent. Compliqué ce jeu. Rouvrir l'énergétique, activer l'ascenseur opérationnel. Positionnez-vous sur l'hologramme pour activer l'ascenseur. Ah ouais, d'accord, faut que je passe par en haut, évidemment. Parce que m'ouvrir la porte directement... Ça serait trop demandé. Allô. Ah, puis ça m'a fait redescendre. Oh. J'ai pas envie de redescendre. Ascenseur opérationnel, c'est parfait. Merci beaucoup. C'est quoi ça? Ah, il y a le truc écho. Mais j'ai pas encore le écho. Ça, je connais pas encore. Ça, c'est écho aussi. Aïe! C'est quoi ce merdier? En fait, j'ai l'impression que je devrais pas déjà être là. Ah, je suis allé trop vite. Non, si je passe comme ça, ça... Hein? Ah non, je passe pas en fait. Ouais, j'ai pas encore le truc écho. Si, non? Non, c'est pas ça. Hein. Merde! Faut que j'aille où du coup? Ils sont mignons là, mais... Du coup, je vais où? Je peux pas aller là. Là, je peux rien faire. Ah, il y a un truc là, non? Ah bah oui. Regardez ça, il y a un petit passage tout mignon. Est-ce que je peux le péter ça? Il y a le truc avec le rayon sombre qui fait... est-ce que ça va marcher? Non. non, ça va pas marcher. Dommage! Ah, il y a peut-être un truc là. Ok, ça c'est bon. Quoi? C'est un tic-tac-to? Non mais... Non, faut que je tire dedans. Ah oui, d'accord.
Ah mais c'est bon, on a les énigmes de Déponia maintenant dans, dans Metroid Prime. Tout est normal. Hein. Ah c'est bon. Ah, on a désactivé un bazar, mais pas les deux. Ok. Ok, Samus elle est contente. Elle est toute rechargée. Villefuturiste.jpg. Alors. Il y a un truc là. On va voir où je peux aller. Ah, mais je vais peut-être pouvoir marcher dessus maintenant. Non? Ouais. Ok. Et donc là, je peux passer derrière. Oh là 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 là. C'est compliqué, ouais. Il y a le truc là, il y a le machin, il y a le bidule, il y a le chouette. Ah, pourquoi c'est devenu rouge ça? Hein? Chelou. Ok, donc maintenant ça c'est ouvert, c'est plutôt cool. Là nous avons... Un ascenseur. Et là, ça mène où? Je sais pas où ça mène. Je prends l'ascenseur ou je prends la porte? Oula! C'est quoi le truc là-bas? Ah, c'est de l'énergie. Mais je crois que je peux pas y aller encore. Ah! Ouais, bon, je pense que je peux pas y aller encore. Il doit me manquer un truc ou. Ou il doit me manquer un truc. Ah non, peut-être le rayon machin. Non, bah non, non plus. Non, bon, je sais pas. Je sais pas. Du coup, on va prendre l'ascenseur, hein. Pourquoi il n'y a plus d'ennemis nulle part là? Il y a plein d'ennemis partout et là il n'y a plus personne. Où ils sont tous partis? Ça. Les décombres empêchent l'accès à un système de contrôle. Les débris sont composés de willidensium. Leur structure a été fragilisée par de fortes radiations. Le willidensium, évidemment. Je vais peut-être enfin avoir la bombe de puissance. Ça ressemble à un gros robot, ça, non? Chelou, chelou. J'ai peur, je vous promets, j'ai peur. Je sais plus comment les buter.
non mais Ah mais merde, non, c'est l'autre. Ah non, ça, oui, non, ça marche pas. Ah, et donc là? Ben voilà, j'ai réussi. Waouh! Pour une fois? Pour une fois, j'ai réussi. Qu'est-ce donc? Hein, désactiver système de contrôle, détecter. Il y a une porte là-haut. Sony, couper la connexion au système peut permettre de déplacer la cible. Oh là là là. Oh là 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 là, le jeu. Pourquoi ils ont fait un truc si compliqué? Dites-moi. Ah là par contre ça ramouille mais là c'est le c'est la console qu'on peut plus en fait là. Qu'est-ce que quoi? Cible fait partie d'une structure mécanoïde incomplète. Il existe des ressemblances de conception entre l'unité incomplète et les mécanoïdes rebelles de conception luminote trouvés dans ce secteur. En gros c'est juste une jambe là. Hein. Que je peux le tabasser d'ici? A priori non. Merde. Fallait pas toucher le sol. Faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire que je les scanne parce que là je pige rien. Alors, tac. Non mais... Je t'avais scanné. Alors... Sombre drone de combat possédé, possession banquière, renforce la cible. Le corps principal est spécialisé dans le combat rapproché. La boule turbo peut perturber le fonctionnement du vortex. Ah oui, c'est boule turbo qu'il faut utiliser. Ah mais merde. Voilà. Merde, j'ai plus de rayon sombre. Merde, mais non! Putain, mais merde. Voilà, je veux mon rayon normal. Non, maintenant je veux le lumière. Ok, et dehors.
Ah, j'ai 15 munitions sombres, on va voir ce que ça donne. Merde. Ok, et bah disons. La structure mécanoïde, on est content. Là où il y a la grande porte. A priori, on n'y a pas accès. Mais... Ah d'accord, on peut pas y aller, ok. C'est un arbor, mais c'est un arbor à la con. Ok, j'ai compris. Merde. Ça c'est quoi? Non, c'est bon. Oh, il y a du grappin partout là. Je pense que là il va me dire que je peux pas le lire. Voilà. Ça, je comprends pas ce qu'il y a écrit dessus. Je pense qu'il faut juste appuyer sur le bouton, hein, mais bon, c'est Samus. Hein. Là à droite, j'ai quoi? Ouais, mais c'est une porte grise à droite. Et les grises, j'ai pas encore le mélange des deux rayons. Ok. Encore un truc pour pivoter. J'ai rien derrière. Alors on y va. Ça a intérêt à me donner quelque chose. Hein. Genre... bombe de puissance quoi. Alors c'est quoi la statue de Sépule? Un grand héros de sanctuaire, connu comme le tueur de banquiers. Sépule a vaincu plus de 700 banquiers en combat avant de mourir lors de la bataille de la ruche. Bah dis donc. Ouais. J'aime pas trop l'ambiance là. Projecteur holographique et luminote activé. Lecture du message automatique. Je suis Olyr, à la dernière sentinelle du temple de la forteresse. Puisse mes paroles t'aider dans ta quête. Ici se dressait autrefois une grande forteresse où se réfugiait notre peuple pendant la guerre. Ce lieu abrite également un portail conduisant à la ruche banquière, véritable cœur de leur atroce tribu. Pendant la guerre, j'ai construit un certain nombre de sentinelles mécaniques pour me prêter main forte dans la bataille. Elles ont été conçues pour combattre les banquiers, et c'est ce qu'elles ont fait pendant un temps. L'une après l'autre, les banquiers les ont corrompus. Aujourd'hui, elles attaquent sans pitié. Plusieurs d'entre elles ont suivi leur maître banquier dans la partie obscure des terres. Super. Il y en a partout, quoi. Prépare-toi à devoir les affronter dans la ruche. Les banquiers aiment les utiliser comme gardes. Les banquiers défendaient leur ruche avec acharnement. Malgré tous nos efforts, nous n'avons jamais réussi à la prendre.
J'ai mis à jour ton module de traduction. Tu peux désormais accéder à nos systèmes et ouvrir les portes marquées d'un hologramme de couleur bleue. Les nouveaux territoires te sont désormais ouverts. Bonjour, je suis le banquier de Tony Hub et je désapprouve ces messages. J'ai pas de banquier. Si seulement je pouvais t'accompagner et venger mon honneur sali par les défaites. Mais mon temps a passé. Yves, mon temps a passé. Il a très passé. Bonne chance, plus les lumières d'éther te montrer la voie. Énergie entièrement rechargée. Pas de banquier, une bancaire du coup. Non, ni l'un ni l'autre en fait. J'ai une banque en ligne donc... décédé depuis 1,1 décacycle, le sujet a reçu des dommages de plusieurs armes luminotes, vraisemblablement celles utilisées par les drones de combat luminotes rebelles. Il a fallu pour plus que les banquiers pour venir à bout de ce guerrier. Et oui, avant j'étais à la Société Générale, je leur ai dit salut. Salut hein, bisous. Ah. Le contrôleur régional, le machin, le truc, le bidule et le chouette. On est très content. Et maintenant on va pouvoir ouvrir les portes. Les portes quoi. C'est pas de ma faute en plus si les antagonistes dans le jeu ils s'appellent ING quoi. Ouais voilà. Direct. Direct j'ai pensé à la banque quoi. C'est quoi les machins maintenant là? Un petit cochon pendu au plafond. Quoi? Oh non! Non! Je voulais pas. Quoi ces machins? Les méca kinésistes. Kiné capable de marcher sur les murs. Ils utilisent l'énergie magnétique pour envoyer des projectiles sur des ennemis vulnérables au tir explosif simultané. Comment ça simultané? Comment ça? Faut que je les tabasse en même temps, c'est ça? T'en fous en fait, non? Si je me barrais juste en fait. Ah! Oh non, mais il peut me tirer. Non, mais. Par dessous quoi. Non, mais si le jeu il triche. C'est pas juste quoi. Mais arrête, non mais reviens. Putain de merde. Attendez, bon. T'as lui. Ok. Là t'as lui. Voilà. Ça a rien fait du tout. Ah, faut les descendre. Ah. Putain, mais c'est infernal. Hein. Putain, mais merde, mais... Ah voilà, quand même.
Hop, les deux patounes là. Bim. Allez. Ah, dis donc. Hop, et maintenant, ça y est, je peux remonter. Allez, vas-y. You can do it. Merde. A tout vise à côté. Dommage. Alors, la grande porte maintenant. Ça me porte activée. Il crée de la paix, hein, vous avez vu. What? J'aille où? Quoi? Ah, il y a un truc là. Qui c'est que ce machin? Alimentation rétablie. Ok. Heureusement qu'il y avait une autre plateforme hein, sur laquelle on pouvait monter pour rétablir le bazar. Oh, un tir à 3 points quoi, magnifique. Donc ça c'est rétabli. C'est pour aller de l'autre côté et je m'en fous. Ça, c'est pour me ramener là, mais je m'en fous aussi. Non? Je m'en fous, je m'en fous pas. Je sais pas. Oh le jeu. On est tellement paumé dans le jeu, quoi. Il y a une bestiole chelou là. Gardien arachnéen, créature de posséder la boule araignée. Créature ne sert boule araignée pour accrocher au mur. Il semble qu'elle soit connectée au système d'énergie de la zone. Une surcharge d'énergie devrait la mettre hors d'état de combat. Ah bah voilà, je vais peut-être avoir la... Ah, je vais peut-être avoir la boule araignée du coup. Quoi, ça va être ça le boss? Ça va vraiment être ça le boss. Ah, tu m'as pas eu, hein. Faut que je casse la gueule. D'accord, fallait que je lui casse la gueule pour activer ça.
Ok, c'est vraiment ça, quoi. Ok, c'est pas là qu'il fallait que j'aille. Marche pas. Ouais. Mais tu connais pas Tony Hawk, Tony Hawk Metroid? Il y a Genius qui connaît pas Tony Hawk Metroid, quoi. Après, ça va dire oui, moi je connais les jeux vidéo, tout ça. Quoi? Mais pourquoi ça l'a pas touché? Oh mais merde. C'est chiant. C'est chiant. Rappelez quand je vous disais qu'ils étaient chiants les boss Metroid? Voilà. Là je vous le redis, ils sont chiants les boss Metroid. Ah mais ouais, j'ai peut-être compris. Non bah non, j'ai pas compris. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Faut que je fasse quoi? Bon, le truc est en mode full vénère, ça j'ai compris. Ok. Comment je fais pour aller à gauche là? Je devrais jouer à Yoku's Island Express, c'est un peu plus coloré, non mais là... Putain mais c'est ouf. Bon bah voilà, j'ai pas pigé hein. Encore une fois, j'ai pas compris. Il y a forcément un truc à faire mais il faudrait ouvrir la petite porte là. Comment je l'active lui? Ah! Ça y est, je l'ai retouché encore une fois. Et ça n'a strictement rien fait. Eh mais je vais crever en plus! En plus, je suis en train d'épuiser toute ma... Non! Oh non, mais j'ai pas sauvegarde, quoi. Non, non, j'ai pas envie. Hein. Ah non, trop tôt. Évidemment, trop tôt. L'âne, trop tôt.
Tu veux le principe du boss? Bah, j'ai compris hein, le principe du boss. C'est, enfin, j'ai eu la première phase. Mais là, pour la deuxième, je sais pas. Ah! Je l'ai encore touché. Quoi? Ah oui, ça a activé la plateforme. Ça y est, d'accord, ok. Ok, donc maintenant, ça y est, j'ai la plateforme. J'ai compris. Maintenant, ça y est, j'ai compris. En fait, là, c'est juste parce que j'ai dû le taper beaucoup plus de fois que sur la... Ah merde! Ça l'a désactivé? Putain, merde! En plus, faut se grouiller, quoi. Putain, c'est chiant. Ok, faut qu'il soit vert. Pour que ça marche, faut qu'il soit vert, j'ai compris. Quel gros naze! Non. Non, 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 il y a pas. Je sais pas si ça marche, si je... Ah oui, ça a marché! Trop bien! Par contre, j'ai sûrement crevé parce que j'ai plus de vie, mais... Mais sinon, je suis ravi, hein. Il s'arrête là. Ah oui, d'accord. Merde, trop tard. Merde. Là, trop tôt. Eh bah dis donc. Faut que j'aille où? Faut que j'aille où? Quoi? Ah d'accord. Ayaf compris. Ayaf compris, mais Ayaf trop tard. Oh là là, c'est chiant.
Bah, c'est pas super évident quand les trucs sont. Quand les trucs sont sortis, hein. Excuse-moi. Si toi, du premier coup d'œil, t'as vu, bah tant mieux. Moi, j'ai pas vu. Mais non mais grimpe! Oh là là, mais quel gros naze. Quel gros naze, je vous jure. J'ai rien vu, je trouve juste que ce combat est long sans intérêt. Comme tous les boss de Metroid Prime 2. Hop, et là faut que je passe, voilà. Regardez là, il va aller s'écraser dans le truc. Non, je déconne, l'univers est sympa. Allô? Non, c'est de la chiasse. Il est en combien de phases là, ce boss là? Ah, peut-être de la vie là, regardez. Ah, quand même, ils ont pensé. Ils ont pensé aux gens nuls comme moi. Bon, il est où? Il est où ce fiefé coquin? Ah ah, il est là! Ah! Merde. Merde, merde. Quoi? Quoi? Attends, faut le tabasser au bon moment? Allô? Ah, et puis du coup, vu qu'on s'est fait baiser une fois, après le jeu est sympa. Il nous met une vision plus large. Pourquoi il a pas été touché ce con? Merde. Et donc là, c'est quand il va revenir, faut que je l'active. Ah merde! Non, bah non. Non, c'est quand il revient. Oh là là, putain, faut que je recommence. Répond à combien de phases ce boss? 18. Ouais, j'ai l'impression. Hein.
Et donc, c'est quand il va être sur la route retour. J'active le truc. Ah, mais non, parce que ça dure qu'un temps. Oh là là. Faut le tabasser au bon moment, quoi. Au bon endroit, au bon moment. Oh là là. Oh, c'est l'enfer, hein. Merde. Merde. Mais non mais... Putain mais c'est pas possible. Ah mais trop tard, il est vert là. Oh là là, c'est chiant. Ah mais regardez, il va peut-être se faire baiser là. Non. C'est moi qui me suis fait baiser. Ah non, faut qu'il soit du bon côté. Oh là là. C'est pas drôle, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas drôle, hein. Et là, faut que je recommence. Et là j'active. Bah non, c'est pas ça. qui a dit que le jeu était drôle? Il y a des gens qui ont dit que le jeu était drôle, c'est ça? Comment tu bouges la plateforme du haut? Je sais pas. Putain, ouais. Faut que je retourne là, non? Ah, je me casse. Je peux pas me barrer? Non, je peux pas me barrer. Ah, faudrait que j'aille là en fait. C'est un truc. Ouais, faudrait que j'aille là en fait. Là il est rouge. Et pourquoi ça recule pas? J'ai plus la vision de loin, c'est chiant. Merde. Mais non mais... Oh c'est l'enfer, non mais c'est l'enfer, franchement c'est l'enfer. Ah puis là trop tard en fait. En fait faut que je fasse ça, oh là là. Oh faut être tellement rapide, faut être tellement rapide, faut pas se gourer quoi. Et les sauts avec la bombe morphing, je vous jure c'est pas ce qu'il y a de plus drôle hein. Non ? Oui ?
Non mais vous voyez, non mais... Non! Putain de merde! Ah c'est bon, c'est passé? Ah non. Oh, c'est passé? Putain, c'est passé! À l'enfer! Mais non! Putain, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, hein. Je suis à 19. Hein. Plus qu'un, ouais, mais plus qu'un, faut que je fasse tout après, quoi. Faut que tout passe, quoi. Merde. Putain! Tu veux un conseil? Change de jeu. Oh non, mais c'est la merde. Oh! Et puis les sauvegardes qui sont tous les 15 ans dans le jeu de bite, quoi. Parce que ça aurait quand même été trop sympa de nous faire des sauvegardes plus régulières, hein. Pas déconner non plus. Oh, va falloir que je me retape tous les... Oh! Oh! Je m'inflige tout ça. J'ai envie de les faire, les Metroid, quoi. C'est pas un coup de complétionnite là, c'est vraiment j'ai envie de les faire, les Metroid, quoi. Mais merde, quoi. Enfin, les sauvegardes, quoi. Enfin, les sauvegardes tous les 3 ans, c'est chiant au possible. C'est de la merde. Regardez tout ce que j'ai fait depuis la dernière sauvegarde, quoi. C'est pas parce que je passe les sauvegardes, c'est parce qu'il y en a pas. C'est ça qui est horrible. Il y en a juste pas, quoi. Faut que je me retape le combat de bite là. Oh putain. Oh. Oh. Non mais j'ai pas envie de refaire ça. Non. Est-ce que je suis obligé de le faire en plus? La question est là. C'est est-ce que je suis obligé de le faire ce combat? Je suis pas sûr. Hein. Ah quoique il y a une... Il y a une cinématique. Ah quoique... Non je suis pas obligé. Hein. Ils vont probablement m'emmerder pour grimper.
Mais si je suis assez malin. Bah voilà. Puis en plus comme ça je perds moins de points de vie. Si Mario Kart... Bah honnêtement je crise moins sur Mario Kart. Non mais le temps perdu dans ce Metroid parce que je me fais tuer et puis que les sauvegardes elles sont à 30 minutes quoi derrière quoi. C'est infernal quoi. Plus là il va me refiler ce... Ah là là regarde tout ça. Oh là oh je... Bah passe passe. Passe savoir. Non on s'en fout. S'en fout voilà. S'en fout. Ouais, les luminotes là, votre truc là, la guerre, je m'en tape. Je veux plus entendre parler de ta merde là. Ouais, ouais, super, super. Ouais. Une luminote, tout ça, on s'est fait péter la gueule. Aide-nous, on s'amuse, tout ça quoi. C'est pas ma guerre, ok. C'est pas ma guerre. Très bon film hein, d'ailleurs, hein. Rambo. Rambo, on se fait souvent l'idée de Rambo parce que les suites sont des films d'action. Mais le premier Rambo, moi je l'ai vu. Regardez, les autres ont fait, les autres ont disparu. Putain, c'est du chien. Le premier Rambo, ouais, j'en attendais un truc un peu bourrin et tout de l'idée qu'on en avait, enfin qu'on en a souvent de. Les premiers Rambo, en fait pas du tout quoi. Oh, j'avais un petit thé qui était prêt moi. Ah, peut-être que j'aille le chercher, ça me détendrait. Peut-être que ça me détendrait un petit thé, non? Allez, je vais passer ce... Mais non, fallait que j'aille sur le truc. Je vais passer le boss parce que maintenant, regardez, je vais le faire en 4 secondes le boss, vous allez voir. Vous allez voir. Il le passe en combien de temps? Bah non, ils doivent le... Oui, je suis con. J'allais dire, ils le font en combien de temps en speedrun? Mais en speedrun, ils doivent passer complètement la phase. En speedrun, ils ont dû trouver un truc pour ne pas avoir à le faire, ce boss de beat là. Bon, est-ce que je... Non, mais non, vas-y. S'en fout. Non! Bah ben voilà, j'ai déjà perdu 12 000 points de vie. Merde. Non mais vous avez vu ça? Et vu qu'il me touche, ce sale con. En plus, je me prends des dégâts. Voilà, bon. Ça va, j'ai réussi à pas trop galérer. C'est fait. Ensuite. Deuxième phase ou net. Bien, trop tôt. Voilà, je vais mettre sur ma plateforme. Je vais attendre qu'il arrive. Ce qu'il y a de mieux à faire. Mais non, mais pourquoi ça fait ça? Je vous jure, c'est chiant. Ah, parce qu'il y a un angle. Ah, mais ouais, j'ai compris. Quand on saute trop, en fait, on se le prend, mais c'est obligé. Ok. Voilà. Et de 1, et de 2. Attendez, je vais essayer de le choper par là. Ah, c'est passé. Merde. Je m'agourais. Merde. Oh putain, c'est chiant. Je
Merde, trop tard. Non! Et merde. Hop, 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 hop. Pas chiant du tout. Pas chiant. Pas chiant du tout le boss. Ah mais c'est vrai, il y a cette phase là aussi. Je l'avais déjà oublié. Oh là là, mais j'étais presque. Oh là là, trouvez-moi un boss intéressant dans le jeu. Et je l'ai loupé. Et je l'ai loupé parce qu'il faut le timing à la centième de seconde. Sinon, ça ne passe pas. Allez. Et non seulement les boss sont pas très intéressants, mais en plus la musique est merdique. Je peux passer par là. Il est en vert là déjà? Bon. Et de 1. J'espère que c'est la dernière phase. Hein. Vraiment. Merde. Et merde, je suis allé trop tôt. Allez, on va te faire cramer le cul. Donc. Après, je sais pas, après, il y en a encore à 3. Oh là là, c'est... Non! Je me suis gouré. Et voilà. Et si on s'est gouré là-dessus, c'est mort. C'est chiant! C'est relou, c'est relou. Mais c'est d'un relou. Non! Monte! Oh! M, M.
Non, mais... Non, mais la boule, là, non, mais... j'en peux plus. J'en peux plus, j'en ai marre. Ça y est, j'ai pété un plomb. Ah bah ouais, bah forcément. Quand le jeu te met des carottes toutes les 3 secondes, évidemment que ça passe pas. Ok, ça passe pas. Super. Là, évidemment, ça passe pas. Putain, mais... Je vous jure, c'est de la chiasse. Hein. C'est incontrôlable. Non. Non. Ça va pas le faire. Mais oui, ça va pas le faire. Mais évidemment que ça va pas le faire. Je vous jure, c'est l'enfer. Je vous jure, c'est l'enfer. À manier les sauts avec la bombe, boule morphing, vraiment, c'est l'enfer. Putain, mais... Et... Non, mais ça fait chier, hein. ça fait chier, je vous jure, ça fait chier. Putain, mais... Non! Non mais c'est de la... Non mais c'est la merde, c'est la merde. Non, ça marche pas. Oh là là, non. Si c'est... Non mais non mais... Ça passe pas. J'en peux plus. J'en peux plus hein. C'est immaniable. C'est bon, ouais, c'est bon. Je vous jure, faut être sur le truc pile au bon moment. Enfin, c'est l'enfer. On se dit d'activer les trucs de haut en bas. Ouais. J'ai un doute, mais... Activez le module Morphing, puis appuyez sur Z, enfoncez à vous attacher au monorail. Je peux pas l'ouvrir celle-là, là. Ils sont mignons, mais là j'ai une porte. Je peux pas l'ouvrir. Eh bien, vous savez quoi? On verra ça après la pause. Et YouTube, je vais vous laisser là. Et on se retrouve très bientôt. Soon TM, des bisous.